Bonjour, je me présente, je suis Martin Levigne, le metteur en scène de Pygmalion de Georges Bernard Shaw. Je suis en compagnie d'Élisabeth Dupéré et de Jean-François Beaupré, les deux protagonistes de la pièce. Alors, vous savez sûrement l'histoire du professeur Higgins et d'Elisa, celle qui a traversé le monde grâce à My Fair Lady, qui raconte l'histoire d'une jeune marchande de fleurs qui vit dans la rue, qui rencontre par un pur hasard le professeur Higgins, l'inventeur du dictionnaire universel, donc un passionné de la langue, de la phonétique. Et Elisa va oser lui demander de lui apprendre à bien parler. On est dans les années 1938, on est à Montréal, j'ai adapté la pièce pour la rendre, parce qu'évidemment, on passe d'un Québécois joual à un Québécois un peu plus normal, celui de tous les jours, et aussi le Québécois bien parlé. Alors, évidemment, dans cette pièce-là, dans cette histoire de cette jeune fille-là qui se fait entreprendre par le professeur Higgins, qui lui a le défi d'en faire une princesse. Cessez immédiatement vos abominables commentaires ou bien allez pleurnicher ailleurs. Vous devriez être en mesure de parler en français correct et non une langue inventée comme la vôtre. J'ai le droit de parler comme je voudrais, si je veux. Oh, une femme qui émet des sons si discordants et aussi horripilants n'a même pas le droit de vivre. Vous êtes un être humain. Vous avez une âme et le don divin du langage articulé. Rappelez-vous que vous parlez la langue de Molière. Mais ne restez pas assise là à gémir comme un pigeon. Grand Dieu! Quel son! Oh! Je veux être damoiselle dans un magasin de fleuristes au lieu de vendre des fleurs dans la rue. Mais on peut pas me prendre si que je parle pas plus mieux. Il a dit qu'il pourrait m'apprendre. Bon. Comment vous appelez-vous? Elisa la Violette. Mais appelez-moi Lisa. Combien m'offrez-vous pour mes leçons? Je sais ce qu'il faut payer. Ouais. Une de mes amies, Juliette, apprend des leçons d'anglais avec un vrai monsieur d'Angleterre pour 20 cents de l'heure. C'est pas de l'anglais que je vais apprendre. À Montréal, on parle le français. Ce sera pas plus que 10 cents. Ça prend où à laisser? J'accepte le défi, je ferai une princesse de cet enfant de ruelle. Hé, hey, oh, 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 oui, oui, dans 6 mois, et même dans 3 mois, si elle a une bonne oreille. Nous allons commencer à l'instant même. Madame Blow, vous allez l'emmener et la décrasser. Utilisez la brosse et l'eau de Javel s'il le faut. Wow, dans 1 minute! A, B, C, D. Arrêtez! Colonel, vous avez entendu ce qu'elle vient de régurgiter? Oh, boy, soyez D. A, B, C, D. Mais c'est ça que je dis! A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Arrêtez! Oh, foutu école publique. Là, dites une tasse de thé. Une tasse de thé. 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 Je l'ai vue, de mes propres yeux vus. Elle en était toute bleue. Tout le monde croyait qu'elle était morte. Mais mon père, pour lui sauver la vie, il a pas cessé de lui verser du gros gin dans le fond du gorgoton. Lundi, mardi, marcordi. Arrêtez! Vous diphtonguez avec les voyelles et vous affriquez les consonnes. Hein? Lundi, di. Lundi, di. Mardi, dit! Mardi, dit! Non! Ma tante est morte de la grippe. Du moins, on l'a prétendu. Mais moi, je crois bien qu'on y a fait son affaire à vieille. Tante Thérèse, tonté tatilo tatou. Tonté tapeu. Tapeu! Bref, vous voulez que je sois amoureux de vous comme Pygmalion l'a été de Galatée, hein? Que j'en perde la raison. C'est ça? Non! Je veux pas ça! C'est pas ce genre de sentiment que je vous demande! C'est quoi d'abord? Venez voir le spectacle pour le savoir. Avec ce spectacle-là, je pense que vous avez tous les ingrédients pour satisfaire votre grand public qui va voir un spectacle divertissant, touchant, drôle, passionné! Passionné! Oui! Ça relève vraiment chez les spectateurs un vent de fraîcheur où on a des notes historiques sur le Québec, sur Montréal, bon, on s'amuse avec ça et on voit l'évolution d'une jeune fille qui part de rien et qui devient la Céline Dion du Québec.
Ah, mais c'est ça. Rien de moins. Rien de moins.